inventeurs et de toutes les bonnes idées. Ce soir encore, nous allons mettre à l'honneur des hommes et des femmes qui imaginent des solutions à nos problèmes de la vie quotidienne. Cette émission, j'ai le plaisir de vous la présenter avec mes chasseurs d'idées. Je vous applaudir, Vladis. Bravo. Bien honte. Sébastien Moura. Parmi nos invités ce soir, vous pourrez applaudir Elie Semoun qui va nous rejoindre dans le courant de l'émission. Mais tout de suite, je vous demande de faire un triomphe à Marthe Mercadier et Marianne James. Alors le premier défi, parce que les inventeurs nous écrivent et puis on a envie de les mettre à l'épreuve pour voir si ce qu'ils nous disent est vrai, et c'est Sébastien qui va lancer ce défi. Tout à fait. Voilà, alors moi j'ai rencontré un inventeur de 54 ans, un Belge, Éric Parrain, qui en fait a inventé quoi? Non pas la bouteille de lait, mais le bouchon. C'est quoi cette bouteille de lait? Ouais, exactement. Ça vous rappelle quelque chose? Mais il a inventé le bouchon, mais vous savez que ça existait déjà. Oui, il savait que ça existait déjà, mais avant les bouchons on les jetait. Bah, avec ce bouchon-là, il en a fait des jeux de construction. Donc on ne jette plus alors. On ne jette plus les bouchons, mais on les garde et on en fait des jeux de construction. Donc c'est une manière de recycler déjà les emballages. Exactement. Ah oui, ça fait quelque chose, des motifs. Voilà, hop, alors on peut soit le mettre comme ça, soit le mettre comme ceci. Mais il en faut plein, il faut les collectionner. Il en faut plein, il en faut plein. Alors en fait, Eric, ce soir, s'est proposé de venir pour nous faire en fait la démonstration de son invention. Alors on accueille Eric Parrain tout de suite. Nous, en fait, comme on est quand même très très curieux, on voulait vraiment voir si ça marche, évidemment, c'est son invention. Moi, je suis persuadé que ça va marcher. Et on lui a laissé donc des bouteilles de lait. Et on va lui laisser, en fait, qu'est-ce que vous allez nous faire? Je vais faire une bibliothèque. Oh. Une bibliothèque. Deux chaises, une bibliothèque. Une bibliothèque en bouchon. De bouteilles de lait. Je crois que c'est pas tout. C'est pas tout. Non, deux chaises et un lampadaire. Voilà, une bibliothèque, deux chaises, un lampadaire avec des bouchons de bouteilles de lait. Voilà, je rappelle que vous avez inventé ces bouchons particuliers, qui ont une forme particulière, qui peuvent s'emboîter, hein, ça rappelle des tas de jeux de construction qu'on connaît, et qu'évidemment vous avez envie de convaincre un grand fabricant de lait qui aura envie de fidéliser les enfants, parce qu'ils aiment bien collectionner, et puis ça permettra de recycler. Hein, donc on va voir si effectivement ça fonctionne, et on verra avec vous dans le courant de l'émission si on peut vous donner un petit coup de main. Éric Parrain, vous avez une heure devant vous, c'est parti. Bonne chance. Merci. Bon, Elie Semoun n'est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ça le fera arriver? Hein, oui. Il sort de l'Olympia. Non, oh, oui. Oui, bon, pour Elie Semoun, en hommage à Elie Semoun qui nous rejoint, voilà, continue voilà. avec ce coup de pouce on qui, lui aussi, dit. Qui est aussi effectivement le défi de la soirée. Sébastien, on va rappeler qu'on a demandé à Éric Parrain de nous montrer, de nous prouver ce qu'il nous avait promis, c'est-à-dire qu'il peut fabriquer une bibliothèque, une lampe, des sièges avec des bouchons de bouteilles de lait. Vous avez inventé ces bouchons particuliers qui ont une forme particulière, qui peuvent s'emboîter, hein, ça rappelle des tas de jeux de construction qu'on connaît, et qu'évidemment vous avez envie de convaincre un grand fabricant de lait qui aura envie de fidéliser les enfants parce qu'ils aiment bien collectionner, et puis ça permettra de recycler. Hein, donc on va voir si effectivement ça fonctionne. Avec ces objets-là, avec ça, bah Eric nous a fait en l'espace d'une petite heure tout ceci. Alors il a fait donc une bibliothèque, il a fait un lampadaire, et deux tabourets, c'est ça? Les bouchons des bouteilles de lait, les a adaptés, il a mis des petites encoches, et donc ça devient un jeu de construction. Exactement. Pour les enfants qui vont adorer collectionner les bouchons, de toute façon, hein, c'est super pour un fabricant de lait. Hein. Venez nous rejoindre. Venez, venez. Venez nous rejoindre. Venez, Eric. On vous applaudit. Alors, pouvez-vous me donner quelques bouchons? Eric, bonsoir. Vous venez de Belgique. Bonsoir, bravo, monsieur. C'est exact. J'habite à Anvers. Vous êtes à Anvers, vous êtes flamand, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, je rappelle que ce que j'ai dans la main, c'est le bouchon de bouteille de lait que vous avez inventé. Je vais le montrer à Marthe, hein, en très très gros plan. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, je n'ai pas d'écran. Voilà. Oui. Donc, deux petites encoches, comme ça, hop, où on clique. Ou en coulisses, et ça devient un jeu de construction, et on peut faire ce qu'on a vu à l'image. Et donc ça, c'est votre idée. Oui. L'idée de départ, c'est quoi? C'est de recycler toutes ces tonnes de plastique? Certainement, parce que l'emballage, c'est une très grosse industrie, mais ça produit aussi beaucoup de déchets. Donc si on parvient à retirer une partie de ces déchets, comme jouets, c'est magnifique. Et si on n'aime pas le lait, où on se les procure, ces bouchons?
Ah, sur du jus d'orange. Ça, c'est bien sur la bouteille. Oui, c'est ça. Non, là, c'est pour ceux qui consomment du lait. Il y en a quand même plusieurs millions un peu partout dans le monde. Oui. Et effectivement, il y en a d'autres qui ne consomment pas de lait et qui adorent les bouchons. Alors, votre motivation de départ, c'est une motivation écologique. Absolument. Hein, je rappelle qu'il y a 400 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. 400 000 tonnes de déchets plastiques. Qui allait où, alors si vous n'aviez pas eu cette idée? Il y en a qui sont brûlés, il y a d'autres qui sont recyclés. Et d'autres mais le recyclage demande aussi, ça coûte aussi de l'argent. Ici, on ne recycle pas, c'est le meilleur recyclage en fait. Voilà, c'est de faire des jeux pour les enfants. Oui. Vous croyez beaucoup en cette idée puisque vous avez investi 3 millions de francs. On se dit 3 millions de francs dans un bouchon, vous les avez mis où? C'est les brevets en fait. C'est les brevets, oui. Ça a un potentiel mondial, cette invention. C'est pour ça que j'ai pris donc des brevets un peu partout dans les pays clés. Bon, c'est la séquence coup de pouce, donc on a envie de vous donner un coup de pouce. Vous avez besoin de quoi exactement? J'ai besoin d'un demi-million d'euros, parlons en euros. Attendez, je vais vous faire un chèque. C'est l'investissement que moi j'ai fait depuis que je suis inventeur. Ouais. J'ai investi ça dans ceci. Et avec ça, je peux continuer. Nous, on a demandé à des gens qui travaillent, qui sont les plus gros fabricants de bouteilles plastiques. Hein, on n'a pas le droit de dire leur marque, mais ils travaillent pour plein de marques. Et donc, y a un fabricant qui est leader et deux responsables de cette société sont là pour vous donner leur avis sur votre invention. C'est Luc Morand et Philippe Audet qui sont avec nous. Bonsoir. Alors, qui est Luc, qui est Philippe? C'est Philippe. Vous êtes Philippe, Luc. Donc l'un fabrique les bouteilles et l'autre fabrique les bouchons, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est exactement, un peu ça. On fabrique les bouchons. Bon, énorme société, on connaît tous le nom, alors on n'a pas le droit de faire de pub, c'est comme ça. Mais vous aviez entendu parler de ce monsieur? Oui, absolument. Ah oui. Donc, effectivement, on voudrait savoir ce que vous pensez de ça, puisqu'en fait, il suffit de rajouter deux petites encoches et de transformer le bouchon en jeu de construction pour les enfants. Ça permettrait à une marque de fidéliser la clientèle, parce que les enfants adorent collectionner. Déjà, fallait y penser. Fallait y penser, je vous confirme. Je vous remercie d'ailleurs de confirmer. En fait, pour tout vous dire, on a déjà eu l'occasion de rencontrer Monsieur Parrain. Ouais. En fait, il y a quelques mois, on a reçu un dossier avec des échantillons, avec une présentation. Et ça nous semblait une super idée de pouvoir proposer un jeu à des enfants pour réutiliser un objet aussi simple qu'un bouchon. Le souci qu'on avait à l'époque, c'était d'arriver à industrialiser, nous, la pose du bouchon sur les emballages. Et la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Oh, génial. Alors concrètement, ça veut dire quoi la solution? Concrètement, en fait, ça va être un ménage à trois. Hein. Il y a Monsieur Parrain, il y a nous, fabricants d'emballage et fabricants de bouchons. Et puis tout le jeu, c'est d'arriver à trouver un client. D'accord. C'est-à-dire en fait, à deux, on ne va pas y arriver tous les deux. Il nous faudra un troisième, c'est-à-dire en fait une marque qui accepte d'utiliser ses bouchons sur ses produits. Donc voilà, votre réaction. Ma réaction est la suivante. Ces deux messieurs sont des vrais entrepreneurs et en plus courageux parce qu'ils n'ont pas encore le client. Ça, c'était ma difficulté. Si j'allais chez un client, il me demandait, est-ce que vous avez un fabricant? C'est le cercle vicieux, quoi. Et si j'allais chez un fabricant, il me disait, est-ce que vous avez un client? Non. Donc ce soir, ils vous disent, nous, on est prêt à le fabriquer, on va trouver le client ensemble. Ouais. Et vous êtes en contact avec les plus grandes marques, pour le coup, les portes sont déjà ouvertes. Nous, on attend ça avec impatience. C'est un vrai scoop, ça fait des années que vous attendez ça, on peut le dire. Oui, c'est fantastique. Donc, fallait y penser. Et bien sûr, vous nous tenez au courant dès qu'une marque est d'accord. Et vous allez trouver ça chez vous, ces bouchons recyclables qui se transforment en jeux de construction. Bravo à tous! Tenez-nous au courant, surtout. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse repartir par là-bas. On peut vous applaudir. Bravo! On est très, très fiers. L'émission sert à ça. Donc, ça deviendra sans doute un jeu de construction, hein, ces bouchons-là. Et alors, le jeu de construction le plus célèbre du monde, c'est
Ah ben c'est le Lego. C'est un succès incroyable. Ah, ça, je souhaite à Monsieur Parrain d'avoir le même succès que l'inventeur du Lego, car ça a été inventé, ce jeu, on le connaît, hein, les petites briquettes là, avec les tenons qui permettent d'imbriquer les éléments ensemble. Ça a été inventé par un menuisier charpentier danois en 1933. Il était au chômage et pour s'amuser, il a commencé à fabriquer ces petites briquettes en bois, bien entendu. Et puis ça a eu très vite beaucoup de succès, puisque aujourd'hui, c'est l'un des 10 jeux les plus vendus au monde et que d'une centaine d'éléments au départ, aujourd'hui, on en est à 1574 modèles de briquettes, enfin d'éléments qui permettent de fabriquer des Legos. Et on a là quelques exemples extraordinaires de constructions faites à partir de ces briquettes de Lego. Et donc, c'est vrai, qui n'a pas joué au Lego ? Tout le monde, j'adore ça. Ah, puis c'est très éducatif. J'ai fait un lapsus, en plus. J'ai pas dit j'adorais, j'ai dit j'adore. Mais c'est vrai. C'est vrai. Un petit charpentier qui imaginait ça. Oui, oui. Et l'idée formidable, c'est que ces briquettes pouvaient s'assembler et se séparer. Et qu'on pouvait, avec les mêmes éléments, construire, démolir. Voilà, ce qui était aussi un plaisir de démolir ce qu'on a construit et reconstruire après. C'est là-dessus que les enfants ont réagi et ont accroché à ce jeu fabuleux. Je vous dis, aujourd'hui, 8000 employés dans l'entreprise, 5 usines à travers le monde. C'est un succès qui ne cesse pas. Voilà, c'est un succès colossal qui est parti d'un petit inventeur danois. Charpentier menuisier danois au chômage.